17 octobre 61, des Algériens, des Algériens. À l'appel du FLN, c'était donné rendez-vous à Paris pour l'indépendance de l'Algérie. Ils sont venus manifester de manière pacifique. Ils n'avaient aucune arme sur eux. Ils ont mis le plus beau costume, la plus belle robe. Et ils sont partis dans les rues de Paris pour exiger l'indépendance de leur pays, l'Algérie. La police de Papo, avec l'aval du gouvernement français à l'époque, a commis un crime d'État. Ils ont tué par plusieurs centaines des Algériens. Et là-dessus, l'État français au jour d'aujourd'hui refuse de condamner l'État français de l'époque. Il n'y a pas de reconnaissance officielle à la hauteur des enjeux, à la hauteur de ce crime d'État. Voilà pourquoi 55 ans après, plusieurs collectifs qui viennent de Besançon, de Gennevilliers, de Toulon, d'Argenteuil, de Nanterre et d'ailleurs, ont décidé de se réunir, de se retrouver ensemble pour exiger la vérité et la justice sur cette affaire d'État. Chaque année, on se retrouve au pont d'Argenteuil pour lancer des fleurs, une gerbe de fleurs, en l'occurrence pour le peuple algérien qui s'était mobilisé pacifiquement à cette époque-là. On est en droit de dire et de penser que 55 ans après, les discriminations racistes dans ce pays-là sont structurelles, qu'il y a dans ce pays-là des citoyennetés à plusieurs vitesses, qu'il y a dans ce pays-là un colonialisme qui n'est pas complètement terminé. Il y a des continuités et des discontinuités. Je fais le lien entre hier et aujourd'hui parce qu'il y a des liens entre hier et aujourd'hui. Alors nous vous demandons, si vous en êtes d'accord, nous allons ensemble jeter une gerbe de fleurs en hommage aux Algériens et aux Algériennes qui sont morts il y a 55 ans, juste à côté sur le pont d'Argenteuil. C'est à 5 minutes. Tu prends 10 minutes de ton temps, 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir. Et on fera une minute de silence en hommage à nos anciens qui se sont battus pour une cause juste à l'époque, qui a été l'indépendance de l'Algérie. Je le dis parce que ce sont des grands moments d'émotion. Je le dis sans aucun opportunisme. Les 280 et quelques personnes qui sont mortes en France suite aux attentats, ce sont nos morts. Ce sont nos morts. Et il s'ajoute aux 400 000 qui sont morts en Syrie et aux millions qui meurent partout. Parce qu'une chose est sûre, c'est que notre boussole, c'est de défendre la dignité humaine, où qu'elle soit.